Je déteste la grippe. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui un petit souci, comme vous le voyez, je n'ai pas pris de drogue, enfin pas plus que d'habitude, je suis malade puisque la grippe a fait son office et je l'ai donc chopé à 2 jours du premier live de l'année. Formidable, bref. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour discuter un petit peu des différents championnats qui vont être diffusés cette année sur YouTube avec les différentes courses que vous allez pouvoir retrouver tout au long de cette année 2017 sur la TV. Donc la première qui a lieu donc dans 2 jours ne sera pas dans les conditions pro studio que j'aurai un peu plus tard pour des raisons de manque de matériel et de temps, et je vais faire ça proprement, donc ce sera peut-être pour un peu plus tard, mais on va commencer tout de suite avec le premier championnat. Et la première saison que l'on va suivre ensemble, ce sera sur Assetto Corsa et ce sera pour le compte des Virtual Drivers, les TX3, qui m'ont gentiment demandé de venir les aider à diffuser ce nouveau championnat. Vous étiez fan de la Porsche Cup l'année dernière à la FFSCA, vous serez fan cette année de la Porsche Cup au sein des TX3 avec un programme très chargé jusqu'au mois de juin avec des circuits mythiques. On commencera donc le 26 janvier par le Red Bull Ring, ensuite Barcelone, Austin, Monza, Silverstone, Monaco, le Hungaroring et la finale aura lieu le 22 juin à Spa. Vous suivrez donc l'ensemble de ces 8 manches en direct sur YouTube. De quoi donc ravir les fans de la marque de Stuttgart. Pour les autres, ne partez pas, il y aura bien sûr d'autres championnats à diffuser cette saison. On continue avec le second, le championnat Pit Lane Motorsport PLM, donc en association avec la page fan de la marque BMW. Et cette année, c'est 7 rounds qui nous attendent à travers le monde. 4 rounds avant les grandes vacances et 3 après la rentrée. Mais il y aura une petite nouveauté. Vous le savez que chaque année, depuis 3 ans, on aime bien instaurer pas mal de petites choses neuves. On a eu déjà la safety car, notamment les 2 premières années. Elle disparaîtra cette saison pour laisser place à un championnat support. Effectivement, nous aurons une manche sprint de Formule 3 à chacune des manches, mais on jette ensemble un coup d'œil au calendrier, ce sera plus simple. Voilà, donc vous découvrez le calendrier avec la première manche qui aura lieu le 11 mars à Hockenheim en Allemagne, suivi du Hungaroring, le Salzburgring. Silverstone est pour l'instant 4e sous réserve de la sortie du circuit pour Race Room évidemment. Et enfin, après les grandes vacances, on se retrouvera pour 3 manches en septembre, octobre et novembre sur Mid-Ohio, Suzuka et enfin une finale à Macao qui pourrait, je pense, redistribuer pas mal de cartes. On instaurera aussi lors de ce championnat les championnats usines, indépendants et le championnat de F3, et ainsi les pilotes pourront jongler entre les différentes places et les différents championnats selon leurs résultats, évidemment. Vous le savez, si vous me suivez depuis quasiment 2 ans, je commente pour la FFSCA de nombreuses courses. Cette année, j'aurai encore le plaisir de tenir 2 championnats entre mes mains, et on ne perd pas une bonne habitude, puisqu'après le GTE l'année dernière, cette année, place au GT3 avec un calendrier contenant 12 manches et une Open qui aura lieu à Macao pour éviter un petit peu les débordements que réserve souvent cette piste avec, vous le voyez, le début du championnat le 22 février prochain avec des courses qui seront un petit peu plus exotiques que d'habitude. On a quitté les traditionnelles pistes du GT3, on ira donc du côté de Nola Motorsport par exemple en mars. Il y aura Zandvoort, Virginia Raceway, la piste américaine extrêmement intéressante, ensuite Donington, Valencia plutôt qu'aller du côté de Barcelone, la piste un peu trop rapide à mon goût pour du GT3, et enfin Singapour et une finale à Abu Dhabi. Ce sera donc le 13 décembre, donc 11 courses au programme, dont une qui sera Macao en fin de saison, histoire de laisser une opportunité à d'autres de venir tester cette nouvelle catégorie. Et on verra donc qui des GT Series ou de la Coupe GT sera le plus intéressant cette année. Des courses qui seront un peu plus courtes également, on passe de 90 à 75 minutes, de quoi également changer la donne au niveau de la consommation de carburant. Bref, des choses vachement intéressantes. Enfin, pour terminer, voici le dernier championnat dont je peux vous parler à l'heure actuelle, le 2e de la FFSCA, le V8 Stock Car Brazil, qui nous accueillera donc pour 10 rounds cette saison avec pas mal de circuits présents en Amérique du Sud qu'on n'a pas trop l'occasion de voir en live, et ça va nous donner un petit peu d'exotisme. Bon, il y aura quelques frais de transport puisqu'on ira, vous l'avez vu, du côté de Watkins Glen, de Zandvoort et de Spa. En tout cas, nos amis sont prêts pour les différents championnats. J'espère que vous êtes excités à l'idée de rejoindre ces différents lives tout au long de l'année. Sachez qu'ils seront tous donc diffusés en direct sur YouTube en 1080p60 dans le studio. Donc j'espère vous proposer quelque chose de beaucoup plus propre et qualitatif, que ce soit de manière sonore ou visuelle. En tout cas, le prochain rendez-vous, ce sera dès après-demain, qui seront encore dans ces conditions actuelles, avec la première manche de la Porsche Super Cup. Je vous ai dit que cette année, il y aurait 5 championnats. Le 5e est pour l'instant toujours secret, car en discussion, et il y a encore beaucoup de choses à régler, mais je vous tiendrai bien entendu au courant. Si vous-même, vous voulez
voulez ne rien manquer, aucune information, aucune annonce, aucun live, je vous invite bien entendu à me rejoindre sur la page Facebook et Twitter qui porte également le nom Maxoul Pilote. Voilà, navré pour avoir parlé un petit peu du nez tout au long de cette vidéo, mais les cachets et la grippe et beaucoup d'alcool, vous le savez, ça ne fait jamais bon ménage. Et j'espère être requinqué pour après-demain. Et donc jeudi, on se donne rendez-vous donc pour la première manche de la Porsche Cup, dont le lien est bien sûr dans la description. D'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux, bon amusement en piste les amis, et à la prochaine. Salut.